Alors ce soir, vous vous trouvez en présence de travaux sur les quais de Bordeaux qui ont pour but de permettre aux bateaux fluviaux de se raccorder électriquement et donc d'arrêter leur groupe diesel pendant qu'ils sont à quai. Alors on a fait appel au service d'Ormazabal puisqu'on est sur des solutions de postes enterrés, ce qui est un peu la spécialité ou la particularité d'Ormazabal. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à eux. On dispose de cette expérience un peu particulière des postes enterrés depuis une quinzaine d'années, voire plus. Ces postes font partie de notre ADN. On a besoin, pour lever ce poste-là et l'envoyer à 14 mètres, de rajouter des contrepoids sur la grue pour lui donner de la force et être en capacité, justement, d'aller poser en toute sécurité. Alors, c'est un projet qui a démarré environ en 2020. On a déjà raccordé deux pontons auparavant. Et ce soir, on va raccorder deux nouveaux pontons pour permettre cette électrification. Nous, notre expertise première de l'ADN d'Ormazabal, c'est les cellules moyenne tension. Ensuite, on fabrique des transformateurs. Et ensuite, pour vendre le tout, on fait un poste autour. Donc en fait, un poste de transformation, il est composé de cellules moyenne tension, d'un transformateur HT-ABT et de son enveloppe en béton. On est spécialiste dans la HTA par rapport à bien de nos concurrents. On ne fait que ça et on fait toute la gamme complète, aussi bien des postes classiques que là, dans ce cas présent, des postes enterrés. La particularité, c'est de permettre d'être complètement invisible dans le paysage puisqu'on est là sur les quais de Bordeaux et qui sont dans un périmètre classé par l'UNESCO, donc il faut qu'on soit extrêmement discret. On connaît Enedis, on est leur fournisseur depuis bien des années et on a l'habitude de travailler avec eux, donc c'est assez naturel pour nous de les aider dans les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et dans le cas présent, c'était de supprimer visuellement le poste de la place qu'il y a, et donc ça s'est fait tout à fait naturellement, bien entendu. Moi, j'adore quand il y a un développement économique, un développement touristique qui se fait dans des conditions qui conviennent à tout le monde. Et ça, c'est si on n'est pas là pour ça, on est là pour quoi ? Évidemment, on est fiers de participer à ce genre de travaux pour la ville de Bordeaux, pour améliorer la qualité de vie et le passage. Quand on ne voit pas les postes ou les fils électriques, c'est quand même mieux. Donc, on est tout à fait fiers de ça, bien évidemment.